suis Pierre Mérignac, je travaille pour Artec 3D. Je vais vous expliquer comment scanner l'intérieur de pièces complexes avec le scanner Space Spider. Donc, si nous avons une pièce qui est relativement difficile à scanner habituellement, car donc, bien que l'extérieur soit assez simple à appréhender, il faut scanner en profondeur. La portée du Space Spider est particulièrement bien adaptée pour ce type de pièce. Voyez, on arrive ici en modulant la distance de scan et l'angle de prise de vue à scanner exactement les informations dont on a besoin pour obtenir un scan qui aura l'état de surface, la qualité d'état de surface nécessaire à la rétroconception. En plus, on peut voir que c'est particulièrement rapide. Hein, donc, avec un scan à lumière structurée statique habituelle, il faudrait environ 1 à 2 heures pour scanner une pièce comme ça. Là, en 5 minutes, la prise de vue sera faite. Et il nous faudra ensuite environ 15 minutes de post-traitement pour obtenir une pièce parfaite. Environ 20 minutes de travail, on peut obtenir ce genre de résultat. Donc ici, vous voyez, l'intérieur est parfaitement scanné. On a aussi la texture, donc la dépose de... Voilà, ça sent la texture comme ça. Et ici, on peut observer donc, le niveau de détail obtenu. Donc, en général, quand on trouve un défaut, par exemple, ici, j'en avais vu un tout à l'heure, voilà. On trouve un défaut ici, on dit, ah tiens, on a un problème de scan, en fait, quand on regarde sur la pièce. C'est que le défaut est bien là, il est ici. Voilà, et donc même à l'intérieur, on arrive à obtenir un excellent niveau de détail. Et donc on pourra directement envoyer ce logiciel dans un logiciel de ce scan dans des logiciels de CAO.